Ce livre est une pochette surprise. Pour découvrir la couleur de sa couverture, un seul moyen, l'ouvrir. Tout comme les acheteurs de bulbes de tulipes devaient parfois attendre qu'elles poussent pour connaître leur variété. Peut-être tomberez-vous sur un des exemplaires de collection, dorés et numérotés. Jacques Favier La monnaie à pétales Bitcoin et le mythe de la tulipe. 537 la comparaison historique inscrite dans sa propre histoire. Il faut commencer par un aveu. Il y eut un économiste de l'UCLA, Earl A. Thompson, 1938 à 2019, pour étudier l'épisode avec la rigueur d'un historien, c'est-à-dire en remontant aux sources. Certes, il était peu médiatique, adoré de ses élèves et décrit par ses collègues comme un original, et il avait sans doute une idée en tête, ce qui est bien son droit mais au moins a-t-il tenté de tracer lui-même un relevé de cours au lieu de le recopier en ligne. Dès 2006, avant Bitcoin, il avait rappelé dans un article publié par la revue Public Choice et intitulé The Tulip Mania: Fact or Artifact qu'il s'agissait en fait de fleurs d'un marronnier toujours fleuri. Il est vraiment utile de lire les 16 pages de son étude. Le premier rapport de Thomson était un travail historique reprendre le récit mythologique qui fonde cette histoire de tulipe, et en revenir d'une part à la réalité historique, sur fond de guerre de trente ans, et d'autre part à son contexte juridique, qui tient de la manœuvre maladroite sur un marché immature. On parlera ensuite de la morale qu'il en tirait. Le point gênant, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de courbe de la tulipe, pas assez de transactions, et qui ne sont pas toutes comparables par leur nature. Rien de continu, de dérivable, de modélisable, mais l'histoire n'est pas toujours à même de livrer des big data. Que s'est-il vraisemblablement passé En 1634, une accalmie dans la guerre de Trente Ans et une demande française accrue stimulent les ventes. Des spéculateurs entrent sur le marché au comptant. En 1635, il devient possible d'acheter des parts de bulbes. En 1636, un système de négociation de contrats à terme de tulipes se met en place. On entre dans la partie de la courbe en pointillé, abusivement mise en plein par la Banque de France. Les négociants se réunissent dans des auberges et les acheteurs doivent s'acquitter d'un pourboire d'un montant égal à 2,5% de la transaction. Mais aucune partie ne fournit de dépôt de garantie. Il n'existe pas de système d'appel de marge. Les contrats se font directement entre les deux parties et non dans le cadre d'une chambre de compensation. L'historien doit se contenter de données hétéroclites et sans doute partielles. 161 bulbes de 36 variétés différentes entre 1633 et 1637. Les prix les plus hauts concernent des bulbes particuliers, dont on ne sait pas encore s'ils sont porteurs du polyvirus du puceron de pêcher, découvert en 1630. Spéculation sûrement. Il y a un aspect naturellement spéculatif dans la recherche des tulipes virosées marbrées. Dans les sources documentées, 98 concernent des ventes enregistrées le dernier jour qui précède l'effondrement le 5 février 1637, avec une fourchette de prix extrêmement large. Ces ultimes transactions, qui occasionnèrent les procès, sont-elles significatives Il est probable qu'on ne le saura jamais. Mais généralement, les transactions ordinaires ne suscitent point de procès. On est parfois loin dans la recherche historique du on sait que. En matière de sources, l'essentiel de ce que l'on a concerne ce qui est arrivé ensuite. Le mythe la morale de Mackay et de quelques autres. L'histoire de la tulipe telle qu'on la raconte avec une assurance hautaine n'est, comme on l'a dit, pas même une fable d'économiste. C'est plutôt le roman moral de Charles Mackay, journaliste, écrivain et poète écossais, principalement connu pour quelques chansons et pour son livre « Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds » publié en 1841. Le titre du livre montre qu'il ne s'agit pas d'économie ou de finance, L'auteur vise la folie de la foule, thème typique du siècle qui suit la Révolution française. S'il s'inscrit dans un courant de réflexion, ce n'est pas l'économie, mais celui qui mènera, en 1895, à la publication par Gustave Lebon, médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue de sa « Psychologie des foules ». Mackay, qui n'est pas un savant, sollicite largement les anecdotes utilisées. Car il ne semble pas qu'il y ait eu « folie », et moins encore foule dans l'affaire qui secoua un peu Amsterdam en 1637. Seulement, réputer que l'homme de la rue est au minimum idiot, si ce n'est criminel, et dénoncer l'aveuglement des foules, c'était si élégant au siècle qui suivit la Révolution française. Mackay n'a rien fait qui puisse être qualifié de recherche historique critique. Il a recopié des pamphlets de religieux calvinistes qui, au XVIIe siècle, voyaient d'un fort méchant œil le développement de l'économie de marché. Au passage, cela va à l'encontre d'un autre poncif sur lequel on reviendra, celui qui oppose le protestantisme capitaliste au catholicisme ennemi de l'argent. Le discours moral contre cette spéculation inspira Bruegel le Jeune, qui, dans sa satire de la tulipomanie, peinte en 1640, représenta les acheteurs de tulipes comme des singes, une métaphore que les bitcoiners n'ont pas encore eu à endurer. La crise de 1637 n'est pas le seul événement historique invoqué par des gens qui ignorent l'histoire, loin de là. Mais c'est un grand classique chez les économistes. Pourquoi Parce que dans l'esprit réactionnaire de Charles Mackay, on insiste en général sur le fait que tout le monde jouait, même les gens de basse condition. Des ignorants totalement incultes en matière de tulipes. Les petites gens attirés par l'appât du gain. Or, c'est totalement faux. Les tulipes ne concernaient que quelques familles, instruites, informées, riches. La tulipe sert donc à faire la leçon aux petites gens d'aujourd'hui, contre toute évidence historique. Il faut bien, dira-t-on, faire passer la faible rémunération des produits d'épargne populaire. Mais les leçons que l'on tire de l'événement sont fort diverses. Les économistes keynésiens utilisent cette crise pour appuyer leur théorie des esprits animaux. Pour eux, les marchés financiers sont irrationnels et guidés par le mimétisme. La tulipe illustrerait cela à merveille. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que la tulipe sert aussi aux théoriciens de l'autre bord, les partisans du laisser-faire, ceux qui estiment que les marchés sont parfaits ni en général, et par principe, que les bulbes puissent exister, puisque les prix sont librement déterminés par le jeu des forces du marché. Quand il devient manifestement impossible de justifier un niveau de prix absurde, il leur reste la solution de rejeter la faute sur quelques moutons noirs, et ils n'ont jamais de mal à en trouver parmi les responsables officiels, ce qui permet de sortir de la difficulté pratique en réclamant encore plus de liberté pour le marché. Or, on va voir que les autorités ont effectivement peut-être eu des torts à Amsterdam en 1637. Mais face à l'événement, qu'il soit qualifié de bulle ou non, il y a quelque chose que l'on retrouve chez les puritains de jadis, comme chez les keynésiens, ou leurs adversaires libéraux, quelque chose comme un mépris de classe. Les propos adressés aux promoteurs de Bitcoin reflètent parfois cela très clairement. Si un placement très risqué, comme construire un tunnel sous la mer, est promu par des gouvernements, c'est un placement de père de famille. Si un placement très suspect éclate au visage des gens cupides mais chics, on blâme l'escroc, l'aventurier John Lowe, dandy débauché et joueur, dont on nommait alors de rappeler qu'il fut quand même surintendant général des finances, ou l'ignoble Bernard Madoff, promptement rendu à son statut initial de maître nageur, alors qu'il avait été président du Nasdaq. Il n'y a jamais eu une seule tulipe pour ridiculiser ses victimes, comme Madame Bétancourt, la famille Arnaud ou BNP Paribas, qui n'ont jamais eu non plus à subir les citations de Galbref et d'Orléans, ou les ricanements des journalistes financiers. En revanche, un pari technologique passionnant, mais qui n'intéresse pas la classe dominante, et même s'il intéresse une jeunesse instruite et formée, est forcément un attrape-nigaud. Si ça monte, c'est que ça ne devait pas. C'est de la spéculation comme les tulipes. Si ça baisse, les élites pleureront des larmes de crocodile sur le petit épargnant. Pour lutter contre les mensonges qui ont fait tant de mal à celui-ci, elles donneront un tour de vie supplémentaire à la réglementation qui ne protège en réalité qu'elle-même. Que s'est-il réellement passé au XVIIe siècle On peut affirmer quelque chose parce que cela se déduit d'une théorie, ou que cela la conforte, ou bien parce qu'on en a trouvé une trace historique. Ce n'est pas la même démarche. Il y a donc une tension dans l'usage que l'on fait des références historiques, entre les recherches des économistes qui tentent de fonder leur théorie dans le réel et ne disposent pas d'autre réel que le passé, et celle des historiens qui cherchent quel sens on peut donner aux données que le passé veut bien nous livrer. Dans l'ensemble, plus aucun historien depuis quarante ans ne croit sérieusement à la bulle des tulipes, car on voit bien que le marché au comptant n'a pas été affecté. Il y a donc plusieurs choses différentes à expliquer la hausse séculaire, puis l'emballement et le dégonflement, puis la morale qu'on en a tirée. Et à la recherche des causes, toujours incertaines, l'économiste Garber, Brown University puis Dutch Bank, affirme que l'envol des prix au moment de la crise de 1636-37. Serait dû à ce que la hausse des prix au comptant s'est emballée juste après la mise en terre des bulbes de l'année. Opération ne permettant plus aux horticulteurs d'augmenter leur production en réponse à un soudain accroissement de la demande. Plantées à l'automne, les fleurs n'étaient en effet livrables qu'au printemps. Mais cela n'a rien de nouveau. Pourquoi ce décalage soudain en 1636 L'hypothèse ne vise-t-elle pas à légitimer l'existence d'un marché que nous dirions dérivé Pour Thomson, déjà cité, après la montée des prix au cours des années 30, qui peut s'expliquer par une accalmie dans la guerre de trente ans, l'emballement des cours à terme serait également dû à ce que le Parlement néerlandais envisageait de sortir un nouveau décret, qui aurait modifié la façon dont s'appliquaient les contrats de vente de tulipes, transformant les achats à terme en options d'achat, moyennant le paiement d'environ un trentième du prix contracté pour se ce dédire. Cette thèse, différente de la précédente, mérite l'attention. Elle est peut-être fondée. Certains juges avaient en effet déclaré que la spéculation sur les bulbes de tulipes était un jeu de hasard et avaient donc refusé d'obliger les contractants à honorer leur contrat. La proposition avait fait l'objet d'un débat dès l'automne 1636. Donc, des spéculateurs ont pu penser qu'elle avait des chances de se concrétiser. Ils auraient alors acheté des bulbes entre l'automne 1636 et février 1637 à des prix très élevés, le risque de perte étant considérablement amoindri si le décret était adopté. Cela expliquerait la forte hausse des prix à terme pour cette période. Thomson affirme que les ventes au comptant de tulipes sont restées à un niveau normal pendant toute cette période. Il en conclut que la crise a été une réaction naturelle au changement des obligations contractuelles du marché à terme. Les prix de contrats de tulipes avant, pendant et après la crise semblent illustrer de façon exemplaire l'hypothèse d'efficience du marché. Évidemment, la thèse de Thomson consiste à sauver la rationalité des marchés. Et à reporter la faute sur les autorités. Et on voit bien qui, quelle école, cela peut arranger. L'approche de l'historienne Anne Golgar rectifie d'abord bien des détails qui ont contribué à la construction du mythe. Certains bulbes connurent effectivement une appréciation significative. Mais la plupart ne changèrent pas de prix. Et la grande majorité des gens restèrent en dehors de cette excitation qui ne concernait que des groupes informés et socialement cohérents. L'historienne récuse les fioritures des récits moralisateurs. Les spéculateurs se jetant dans le canal, la plupart pleurèrent seulement du manque à gagner, et la supposée folie des foules. En fait, elle a pu identifier un grand nombre des vendeurs et des acheteurs qui constituaient le marché. Elle ne repérait qu'une demi-douzaine d'entre eux à avoir connu des problèmes financiers durant cette période. Et encore, ces difficultés n'étaient-elles pas forcément liées aux tulipes. La spéculation, surtout, fut selon elle loin de ne porter que sur la tulipe. Si c'est celle-ci que les prédicateurs calvinistes et McKay à leur suite ont cru devoir immortaliser, c'est que la focalisation sur cet objet marginal leur permettait de ne pas dénoncer la spéculation en soi, qui portait tout aussi bien sur le blé. On retrouve cela aujourd'hui avec tous les beaux discours dénonçant la spéculation sur Bitcoin, discours que tiennent fort doctement et sans rire des gens qui trafiquent de tout et du matin au soir. Pour Anne Golgar, l'emballement de 1637 fut loin d'être le fait de la foule, comme le disait McKay, en suivant son idée et non les faits, il fut tout au contraire bien circonscrit dans un milieu de marchands avisés. Mais cela, seule l'étude pièce par pièce et documents historiques permet de le saisir. Cela échappe aux moralisateurs autant qu'aux faiseurs de courbes simplettes. La vraie morale de l'histoire, le rôle des pouvoirs publics dans les crises. Admettons qu'il n'y ait pas eu de crise financière, contrairement à ce qui se répète par copier-coller, puisque personne n'était tenu de lever les options. Admettons même, comme le martel Thompson, que la Tulipmania était simplement une période pendant laquelle les prix des contrats à terme avaient été légalement, bien que temporairement, convertis en prix d'exercice des options et que la péripétie sur les transactions fut un artefact créé par une conversion implicite de contrats à terme ordinaires en contrats d'options dans une tentative imparfaitement réussie des acheteurs de contrats à terme et des fonctionnaires néerlandais de se renflouer des pertes spéculatives subies antérieurement sur le marché des contrats de tulipes néerlandais, dont l'efficacité en termes de prix est impressionnante et qui est régie par des principes fondamentaux. Est-il bien utile d'aller chercher en 1637 pour disputer savamment de la part des responsabilités des collectionneurs, des marchands, du marché ou des autorités Parce que le plus drôle, c'est qu'il revint au pouvoir politique de clore l'incident. Une chose que nul n'aime évoquer, mais qui ne fait pas exception dans la riche histoire des marchés officiels. J'aime bien citer un film déjà ancien, 1978, et qui raconte une histoire vraie survenue en 1974, sans le moindre soupçon de cryptographie, mais avec des cours multipliés par 50 sur un marché pourtant réglementé. L'une des dernières scènes du film, Le sucre, montre Claude Pieplu, président démi de la Bourse de commerce, en train d'expliquer furieusement au petit spéculateur Jean Carmet. Et à son courtier véreux, Gérard Depardieu, qu'ils vont payer deux fois. Une fois en perdant leur mise et ensuite en renflouant le système par leurs impôts. Le libéralisme extravagant, ça se paye. Est-il mal élevé de rappeler cette vieille histoire Est-il mal malséant de dire que si Bitcoin s'effondrait, l'État ne périt rien Pas de risque systémique. Si Bitcoin est devenu too big, c'est par sa propre force, non par un chantage à la charge du contribuable. Voilà une différence notable avec toutes les tulipes, Louisiane, sucre, subprimes et autres spéculations nées au cœur même du système et non, comme Bitcoin, dans ses marges ou dans les cercles alternatifs. Je ne voudrais pas en rester là. Quelques comiques qu'avaient été en 2018 les menaces du patron de Morgan, promettant de virer ses traders s'ils touchaient à Bitcoin, alors même que sa banque s'affichait parmi les plus gros acheteurs d'exchange traded notes sur Bitcoin et déposait demande sur demande pour breveter par petits bouts la blockchain. Qui ne lui appartient point, et forger un bitcoin privé. Ces gesticulations ne disaient rien de plus que ce que chacun sait déjà de ces gens-là. Peut-être même ont-ils lu l'étude de Thomson, suivi sa démonstration historique, compris les explications mathématiques sur l'évolution du prix des options des tulipes. Peut-être ont-ils lu sinon le livre d'Anne Golgar, au moins les articles qu'il a inspirés. Ils ne sont pas tous grossièrement incultes. Peut-être certains sont-ils même sincères. Là n'est pas le problème. Le plus écœurant, c'est que leur Sermon sur la tulipe devrait viser au cœur le capitalisme contemporain bien davantage que Bitcoin. Dans son livre publié en 2013, Le trésor perdu de la finance folle, le philosophe Jean-Joseph Gou, préfacier de notre Acéphale, revenait sur ce qu'il avait préalablement appelé l'esthétisation de l'économie politique ou la frivolité de la valeur au siècle des Lumières, annonçant selon lui le capitalisme post-moderne où la subjectivité du consommateur est devenue la source prédominante du prix. Compte pour compte, celui de Voltaire intitulé Le Monde comme il va est bien plus digne d'intérêt que celui forgé par Macquet sous des oripeaux d'histoire économique. On y voit comment, dans une ville imaginaire qui ne peut être que Paris, le visiteur achète tout ce qui lui plaît, beaucoup plus cher que ce qu'il valait. À un marchand parfaitement honnête, cependant, Puisqu'il court derrière lui dans la rue pour lui rendre la bourse qu'il avait oubliée par mégarde. Écoutons donc plutôt le marchand de colifichets du comte de Voltaire. Si dans six mois vous voulez leur vendre, vous n'en aurez pas même ce dixième. Mais rien n'est plus juste. C'est la fantaisie des hommes qui met le prix à ces choses frivoles. De sorte que la grande question en matière de tulipes pouvait bien s'énoncer de la façon suivante. En septembre 2017, lorsque je m'intéressais à la question sur mon blog, l'iPhone X, même doté de 256 Go. Valait-il réellement 0,42 bitcoin Une Rolex Oyster Perpetual Date en acier valait-elle bien un bitcoin tout entier Un sac Hermès Kelly de 30 cm valait-il vraiment 1,34 bitcoin Non, bien sûr. Eh bien, les prix ont sévèrement baissé depuis lors, en bitcoin. De qui se moque-t-on ici De nous tous, même de ceux qui ont raté leur vie, comme disait M. Seguela. Et qui n'ont pas accès à ce demi-luxe. Nous sommes maintenant dans un monde où les pâtes à tartiner sont en édition limitée, où des bouteilles de soda ont des séries collector, de façon à ce que rien ne soit relié à une valeur d'usage mesurable, mais que tout soit tulipe dans nos supermarchés de périphérie urbaine. J'ai évité jusqu'ici le jeu de mots sur bulles et bulbes, je ne résiste pas au plaisir de suggérer cette réponse au prophète à tulipe. Mêlez-vous de vos oignons, nous prenons soin des nôtres.